Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette grande édition de la soirée de ce mardi 9 février 2021 depuis Kinshasa, capitale de la RDC, d'où nous émettons bien avant le développement de cette grande édition de la soirée. Prenons-en les quelques grandes articulations. Passation des témoins ce mardi 9 février 2021 au Sénat entre les bureaux des missionnaires et les bureaux d'âge. Alexis Tambwe Mwamba passait la main à Léon Mamboléo, le doyen d'âge de la Chambre haute, en attendant l'élection du bureau définitif de cette chambre parlementaire. Le processus de l'informatisation pour la maximisation des recettes dans la province de l'Ituri se déroule normalement. La réunion gouvernement provincial et la commission technique a observé des avancées significatives. À Kinshasa, capitale de la RDC, est rentré hier par l'aéroport international d'Ndjili Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la République, nouveau président en exercice de l'Union africaine après avoir passé un week-end abouti à Addis Abeba, en Éthiopie, sur le tarmac de l'aéroport international d'Ndjili. Le chef de l'État a été accueilli par la première distinguée dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, et plusieurs corps constitués de la République. Les récits nous est fait ici par nos confrères de la presse présidentielle. Ce foulon en extase amassé le long des artères de Kinshasa ce lundi ne jubilait pas au retour d'une mission d'astronautes sur Mars, mais plutôt à la fierté leur faite par le premier d'entre eux qui fait flotter depuis quelques jours le drapeau national sur le toit de l'Afrique. Et les 16 heures passées, quand le jet présidentiel atterrit sur la piste de l'aéroport international de Ndjili, le chef de l'État est de retour. Au pied de l'avion, le président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, est fleuri par deux petites filles qu'accompagnait la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi. Le chef de l'État prend le temps de saluer la longue file des autorités politico-militaires et administratives qui se sont alignées pour le féliciter. Juste le temps de traverser le salon présidentiel, le cortège du chef de l'État a pris la direction de sa résidence. Dans son parcours, la suite présidentielle rencontre de scènes de liesse qui rappellent les années 74 au retour des léopards champions d'Afrique. Longtemps resté dans l'ombre de l'Afrique, le géant aux 80 millions d'âmes est devenu l'attraction de la politique africaine depuis le samedi dernier. La République démocratique du Congo est décidément en train d'écrire une nouvelle page de son histoire sur le plan continental. Heureux qui, comme Félix Antoine Tshisekedi, a effectué un bon voyage. D'une institution à une autre, nous allons parler du Sénat après la démission vendredi dernier des 6 membres du bureau de cette institution politique en République démocratique du Congo. Tout à l'heure, on a procédé à la remise et reprise entre les bureaux d'âge et les bureaux sortants démissionnaires du Sénat. Le récit nous est fait ici par Eric Isami. Visage jovial, sourire aux lèvres, l'opinion congolaise ne l'a jamais vu comme ça. Fiché comme étant un but de sa personne, le célèbre Kinkye Mulumba déclare qu'Alexis Tambwe Mwamba n'a jamais ouvert sa bouche pour parler en bien. C'est toujours pour nuire. Ici, c'est tout le contraire. Alexis Tambwe Mwamba, à la cérémonie de remise et reprise, a été relativement humain, avec de mots encourageants à l'endroit de ceux qui le remplacent. Bonne chance, Président. Votre bureau est là. Ça va? Et s'il y avait quelque chose, vous m'appelez. Je suis à votre disposition. S'adressant au bureau d'âge dirigé désormais par Léon Mamboléo, Alexis Tambwe Mwamba reconnaît en substance que le devoir de l'État est sacré. Non, c'est un devoir républicain. Oui, c'est un devoir républicain.
Non, c'est un devoir républicain, et les devoirs républicains sont sacrés. Je vous félicite devant tous les membres de mon équipe. D'accord. Et tous ceux qui sont en train d'assister à cette remise de reprise, qui ne va pas durer longtemps. On ne sait jamais. Je souhaite qu'elle. Au bureau d'âge, qui a pris le relais d'honorer à son tour les devoirs de l'État. Celui-ci, en effet, consiste à répondre positivement aux désiderata de la population. On va parler éducation nationale à présent. Quand est-ce que les élèves vont répondre les chemins de l'école à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo? La question se pose avec beaucoup d'acuité et de pertinence, mais la réponse viendra sûrement du côté de la coordination technique, la réponse contre la COVID-19 que dirige le docteur Mouyembe Tanfoum. Mais plutôt suivez cette réflexion qui nous est faite ici par Eric Isami. Quand on ouvre une école, c'est une prison que l'on ferme. Ces propos vrais sont de Victor Hugo dans son œuvre intitulée « Les Misérables ». La pandémie du coronavirus a soumis la planète Terre à une rude épreuve non encore résolue. Mais l'axiome de Hugo se vérifie et reste d'actualité, car la terrible maladie a ôté des vies humaines dans des nations réputées bien gérées, autant que chez nous en Afrique, où les États se cherchent encore avec des systèmes de santé souvent jugés défaillants. En République démocratique du Congo, les enfants en âge scolaire sont à la maison à la suite de cette pandémie mortelle. Ce qui était un congé a perduré jusqu'à avoir des allures d'une éternité. Dans l'opinion, les parents et les écoliers concernés enregistrent plusieurs sons de cloche, mais aucun n'annonce la date exacte de reprise des cours à tous les niveaux, maternelle, primaire, humanité et les études supérieures. Où en sommes-nous avec la panacée contre le coronavirus? Qu'en est-il du vaccin? Les préoccupations s'enchaînent et s'adressent principalement à l'équipe dirigée par Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum pour aider la communauté à préserver la santé, oui. En premier, la santé, mais à ne pas aussi occulter l'éducation de jeunes gens. La formation du capital humain est autant essentielle pour espérer relever les innombrables défis qui se posent à la RDC. Une opinion fait noter que là où la pandémie du coronavirus a sévi au plus fort, les enfants étudient. Mais en RDC, ils sont de plus en plus nombreux des Congolais qui se demandent pourquoi a-t-on laissé les églises, les marchés, bars et autres débits de boissons fonctionner, mais l'on a fermé pour longtemps l'école, très essentielle pour la vie de nos régions. Ici à Kinshasa, le premier citoyen de la ville, province Gentilimba Kangobila, est allé visiter les marchés centrales ainsi que d'autres marchés provisoires ouverts pour les vendeurs en attendant bien sûr la réouverture de ces lieux de négoce qui a été fermé sur ordre du gouverneur de la province. Gentilimba Kangobila s'est fait accompagner d'une forte délégation de son gouvernement. Fermé il y a quelques semaines pour des raisons d'assainissement et de modernisation, le grand marché central a reçu le dimanche 7 février la visite du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentilimba Ngobilambaka. Accompagné de certaines personnalités, l'autorité urbaine a voulu personnellement palper du doigt l'évolution des travaux dans ces lieux de négoce. Aussitôt arrivé, le chef de l'exécutif provincial a été accueilli par une foule immense qui n'a cessé de féliciter son initiative, celle de rendre propre le marché central de Kinshasa. Se confiant à la presse, le premier citoyen de la ville a évoqué les multiples raisons ayant motivé la fermeture de ces grands espaces de l'offre et des demandes. Tango m'a voté Bissau dans le mois d'avril 2019. Tout le monde a fait la toilette et arrêté. Tout seul, ma casse, tout est toilette. Lorsque j'ai été élu gouverneur au mois d'avril, je suis passé personnellement au grand marché, mais j'ai constaté qu'il n'y avait pas de toilettes. De l'autre côté, la saleté était insupportable. Voilà pourquoi nous avions décidé de fermer les grands marchés pour pouvoir les moderniser. Juste après, le cortège du gouverneur s'est dirigé vers les autres marchés provisoires construits
pour accueillir les vendeurs et commerçants, notamment à Itaga et Kabinda, avant d'inspecter les travaux de construction du marché moderne de Simba Zigida dans la commune de Kinshasa. De Kinshasa, nous remontons d'un cran direction le grand nord de la RDC, la province de l'Ituri, où notre régional de l'étape, Tony Nzola Meso, nous signale qu'il y avait une grande réunion d'évaluation entre le gouvernement provincial de l'Ituri et la commission technique en charge de mettre en place les systèmes informatisés pour maximiser les recettes dans ces coins de la RDC. À l'issue de cette grande réunion, des retombées significatives ont été notées. Et cette réunion a connu la présence du ministre provincial des Finances, M. Javier Egouda. Le nouveau système informatisé mis en place par le gouvernement provincial à travers CFC Services pour la sécurisation du circuit de perception des recettes en province de l'Ituri fait bon chemin. Un mois seulement après sa mise en exécution, il est normal pour les parties concernées de se mettre autour d'une table et évaluer les résultats. À l'issue de cette rencontre, toutes les parties prenantes se sont dites satisfaites du résultat obtenu. Une satisfaction relative parce que nous sommes déjà à 60% des réussites. Nous sommes en train de travailler dans les systèmes de la synchronisation du paiement mobile avec nos comptes pour que nous puissions supprimer définitivement la manipulation des espèces par les agents de la régie et que tout paiement se fasse par PPL Mobile, par M-Pesa, par Airtel Money ou Orange Money pour que la province puisse capter le maximum de ses recettes à travers le mécanisme de monnaie mobile qui se synchronise directement avec les comptes. L'œuvre humaine n'a jamais été parfaite, dit-on. Le patron provincial de finances, Janvier Goudra, les reconnaît, mais ne désarme pas. Nous avons relevé certaines limites, notamment la question de la manipulation des espèces qui pose encore problème. Il y a encore des choses qui sont en train d'être réalisées pour que le mois de février puisse être un mois du succès de cette nouvelle procédure informatisée et que les recettes de la province soient sécurisées dans un système fiable et qui soit au profit de la province de l'Ituri. Pour rappel, c'est depuis le début de cette année que le gouvernement provincial a mis en place l'exécution du contrat de partenariat qu'il a signé avec CFC Services dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle plateforme de gestion pour la sécurisation des recettes de la province et des entités territoriales décentralisées à travers un guichet unique. Restons toujours avec notre régional de l'étape dans la province de l'Ituri, Tony Nzola Meso, qui nous signale cette fois-ci que les travaux de réhabilitation du tronçon Mahagi-Port se déroulent dans de très bonnes conditions et ces travaux financés sous fonds propres du gouvernement provincial. Jean Bamanissa Saïdi détaille dans ses reportages. C'est un tronçon long de 54 km. Compris entre Mahagi en passant par Nyarambe et Djigou pour déboucher à Mahagi Port. Une route abandonnée il y a de cela plus d'une quarantaine d'années. C'est la société Bicheron Group qui a mis ses machines en contribution pour réouvrir cette bretelle. Une route d'intérêt capital qui a permis la réouverture du marché de Djigou et la circulation fluide de malades qui fréquentent l'hôpital général de référence de ces coins. Un motif de joie de la population qui remercie le gouvernement provincial de l'Ituri. Je remercie beaucoup le gouverneur Jaba Bamanissa Saïdi. Depuis que je suis né jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas vu ces machines. Nous remercions beaucoup. Je suis en tout cas très joyeux de voir que il y a l'entretien de la route de Mahagi. Je félicite notre gouverneur Bamanissa et le gouvernement provincial. Pour le chef du chantier, la fin des travaux n'est qu'une affaire de quelques semaines. Les travaux évoluent à bon train. Pourquoi ? Parce que la route est presque désenclavée à 90%. Nous sommes restés seulement avec 8 km pour que nous puissions arriver à Mahagi Port, à la destination. Comme nous sommes déjà restés avec quelques kilomètres, 7 ou 8, après un mois, nous pouvons déjà arriver à Mahagi Port.
À noter que ces travaux sont financés sur fonds propres du gouvernement provincial qui ne lésine pas sur les moyens. D'où la population devra payer des taxes et impôts. Question de doter le gouvernement provincial les moyens pour accomplir son programme. Dans la ville de Mbandaka, capitale provinciale de l'Équateur, notre permanent sur place José Mazao Soukouma nous signale que 15 participants, dont quelques femmes leaders et des hommes genrés, sont formés au plaidoyer basé sur les genres dans le cadre bien sûr du programme Voix et Leadership Féminin. Et bien sûr, cette organisation a connu la présence de la ministre du Genre, Famille et Enfants de la province de l'Équateur, Madame Élisée Bofaya Bontoul. La salle de réunion du collectif des femmes de l'Équateur, COLFEC, a servi de cadre d'un atelier de formation sur le plaidoyer basé sur le genre ce lundi 8 février 2021 à Mbandaka. Organisé par Marie-Josée Ntchaïkolo du centre Carter venu de Kinshasa, cet atelier de 5 jours a regroupé 15 faiseurs d'opinion de 6 provinces, dont la province de la Tchopo, province de Tanganyika, Kasaï Central, Sud-Kivu, Kinshasa et Équateur, sont formés dans le cadre du programme Voix et Leadership des femmes VLF sous le financement des Affaires mondiales Canada et mis en œuvre par le Centre Carter. Il vise à renforcer la jouissance des droits fondamentaux des femmes et des jeunes filles et à faire progresser l'égalité des sexes en RDC. La cérémonie du lancement était présidée par Madame la ministre provinciale des genres, enfants, femmes et familles, Élisée Bofaya Bontoula, et qui nous fait les condenser de cette activité. Nous sommes venus aujourd'hui pour essayer de lancer cet atelier pour permettre aux participants de ressortir les problèmes liés aux violences basées sur le genre qui rencontrent nos filles et femmes au niveau local, au niveau de l'intérieur, et de ressortir pour essayer de cibler les problèmes phares et en même temps apporter des solutions. Notons que cet atelier a comme objectif de renforcer les capacités des organisations féminines dans la mise en œuvre des actions de plaidoyer efficaces tenant compte des faits probants. Parmi les femmes, nous avons observé la présence des hommes genrés et qui sont venus prêter main forte à leurs partenaires femmes. Dans le cadre de la rubrique Actualité vue par les autres, instaurée au sein de la rédaction d'Antenne A, les binômes de cette rubrique, Esther Badibiabia et Damien Maungungos, est allé interroger M. Armand Bouka, qui est le rédacteur en chef de la télévision Congo Nouveau émettant depuis Kinshasa, qui évoque les faits marquants de l'actualité débattue au sein de cette rédaction. C'est d'abord principalement le retour du chef de l'État d'Addis Abeba, où il a été prendre fonction de sa présidence à la tête de l'Union africaine, avec bien sûr toute la mobilisation qu'il y a eu autour de son accueil hier à l'aéroport d'Ngélé tout le long du parcours Kambé, même que le chef de l'État, selon les informations, aurait demandé à ce qu'on puisse décommander cet accueil. Et l'actualité, c'est aussi les dossiers Floribert Chebeya qui a ressurgi un peu avec la déclaration de l'un des éléments qui aurait exécuté ces militants de droits de l'homme avec son chauffeur, et avec bien sûr cette enquête de RFI avec son RLA qui retrace les lignes en citant les noms justement des auteurs, des commanditaires de cet assassinat. Bon, l'actualité, c'est aussi, l'annonce de la nomination du Premier ministre qui, selon les informations, devra intervenir dans 24 heures, sinon en tout cas, sauf imprévu, à la fin de cette semaine. Et l'on attend également la situation au Sénat, avec la mise en place du bureau définitif. Et donc voilà un peu quelques lignes d'actualité que nous pouvons retenir au pays.
de la partie ouest de la RDC, nous redescendons d'un cran direction l'ex-Grand Katanga, sur la rive gauche de la rivière Luapula, et là nous sommes dans le village Kachobwe. L'homme politique congolais, le président Moïse Katumbi Chapwe, président de l'Assemblée pour le changement, vient de construire une grande église baptisée la chapelle Notre-Dame du Congo. Cet édifice religieux a été consacré par le cardinal Fridolin Mbongo Mbesugu, qui est en mission pastorale dans ce coin de la RDC. Détails dans ce reportage. Sur son majestueux parcours, la rivière Luapula aura désormais quelques nouveaux voisinages. La patience des années a vu s'élever sur les terres du village Kachobwe une bâtisse solennelle, une poésie architecturale, olympienne, somptueuse demeure à laquelle le président Moïse Katumbi a donné le jour par la sueur de son labeur. C'est dans ce domaine que lui et son épouse ont également fait ériger une autre maison qu'il dédie à Dieu en authentique chrétien. Il s'agit de la chapelle Notre-Dame du Congo, dominant comme un bijou sur ce paysage de verdure à perte de vue. C'est le cardinal Fridolin Mbongo Betsungu, de passage dans le diocèse, qui en a ouvert les portes et l'a consacré au cours d'une émouvante cérémonie, le samedi 6 février 2021. La cérémonie, tout à l'heure, cette cérémonie qui continue d'ailleurs, elle est consacrée. De maison ordinaire comme nos habitations, ces lieux sont devenus un lieu sacré. Ceci avant qu'il ne reprenne son bâton de pèlerin et sa mission pastorale vers Kilwa, Kasenga et d'autres diocèses des différentes provinces ecclésiastiques de la République démocratique du Congo. Parlons sport à présent avec les préparatifs de jeux de la francophonie qui compte abriter la ville province de Kinshasa en 2022 du côté de la FEACO, la Fédération d'athlétisme du Congo qui dirige de même maître Monsieur Bienvenu Matenda. On a remis un certain nombre de lots importants de matériel pour la promotion de cette discipline ici dans la capitale. On suit les reportages avec Mathurin Daïlamboche. Les athlètes qui pratiquent l'athlétisme au sein des clubs Cor et Arturo du stade annexe de Martyrs ont bénéficié de la deuxième visite du président de la Fédération congolaise d'athlétisme, Bienvenu Matenda, lundi 8 février 2021. Le numéro 1 de la discipline mère a apporté un lot d'équipements qui était composé de vareuses, de catchs et de tenues pour officiels. Ce geste a été bien accueilli par les responsables et les athlètes. Le président de la fédération qui est en train de sponsoriser matériellement chaque club, c'est vraiment une innovation chez nous. Alors on s'est dit que nous devons maintenant pousser nos limites et que le matériel puisse coïncider avec la technique pour que l'on puisse faire de bons résultats. Je suis vraiment très très ravi et j'aimerais que ça ne soit pas la première fois. J'aimerais qu'ils continuent toujours à nous soutenir moralement, financièrement et puis matériellement. Bienvenu Matenda donne l'essence de sa présence à ces lieux d'entraînement. Si la fédération existe, c'est parce que les athlètes existent. Raison pour laquelle nous avons pensé palper du doigt la réalité. Si le club manque certains équipements, nous sommes là pour pouvoir leur donner les équipements afin de pouvoir mieux se préparer pour les championnats qui vont venir. Entre autres, le jeu de la francophonie et les Jeux Olympiques qui sont prévus au Japon. Nous sommes là, on a donné pour les deux versions, que ce soit des versions masculines, que ce soit des versions féminines. À noter qu'au courant de cette semaine, le comité fédéral va visiter d'autres clubs d'athlétisme de la capitale. Toujours en sport, en karaté, Freddy Lankombo, le numéro 1 de la Fédération des karaté d'eau du Congo, annonce la réouverture de la saison sportive au sein de cette fédération avec deux événements phares, la Coupe du Congo ainsi que le tournoi international des Grands Lacs qui aura comme cadre la ville de Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Détail, Rigo Moulopo.
aussitôt installé par voie légale à la tête de la Fédération congolaise de karaté d'eau de la RDC. Le comité Freddy Lankombo met déjà les bouchées doubles. Pour ce faire, deux événements majeurs sont projetés pour ce 12 février de l'année en cours à Bukavu, capitale provinciale du Sud Kivu. Le lancement de la saison sportive de Matéria. Autour de ce lancement, il y aura l'Open de Bukavu. Il y a beaucoup d'athlètes qui sont invités. Le comité organisateur a lancé des invitations à deux athlètes à venir pour qu'elles s'y présentent. L'Ivy se présente et participe effectivement, efficacement à cette compétition. Il y aura au mois de juin, du 21 au 28, du 21 au 27, les championnats nationaux de karaté. Ils se tiendront à Bukavu. Nous y serons déjà cette semaine pour un état des lieux, pour les dispositions pratiques et techniques pouvant, n'est-ce pas, permettre que ces championnats nationaux se déroulent d'une manière optimale. Dans le cadre de la présidence tournante de la RDC à la tête de l'Union africaine, la Fédération congolaise de karaté d'eau du Congo attend accompagner les chefs de l'État dans ses nouvelles responsabilités africaines. Comme vous le savez, avec l'avènement de notre président de la République aux charges de l'Union africaine, nous sommes en train, n'est-ce pas, de penser à accompagner, comme ce mandat est inscrit sous l'insigne culturel, parce qu'il est dit les arts au service, n'est-ce pas, du développement de l'Afrique, nous sommes en train d'anticiper, d'avancer avec, pour essayer à notre manière de contribuer efficacement, n'est-ce pas, à ce mandat-là. Comme on peut le constater, Paris gagné pour le comité Freddy Lankombo, qui attend faire la promotion de ces disciplines sportives de combat à travers le Congo profond. Un début très prometteur pour cette fédération sportive de combat. On va scruter l'actualité en Afrique grâce à notre partenaire de tous les jours, The Voice of America, la voix de l'Amérique. Au Tchad, les autorités auditionnent des manifestants interpellés samedi lors des marches initiées par l'opposition pour plus d'équité sociale et une alternance au pouvoir. Certains manifestants, dont Succès Mazra, président du parti Les Transformeurs, se sont réfugiés à l'ambassade des États-Unis à N'Djamena. En Somalie, une alliance d'opposants juge illégitime le président Mohamed Abdoulaye Mohamed, surnommé Farmajo, dont le mandat officiel a expiré dimanche sans que ce pays ne parvienne à organiser des élections. L'opposition appelle à la formation d'un conseil national de transition. Au Sénégal, des heurts ont opposé à Dakar, policiers et sympathisants d'Ousmane Sonko, figure de l'opposition visée par une plainte pour viol. Sonko crie au complot ourdi en plus haut lieu selon lui. D'après la presse locale, la plainte a été déposée par une employée d'un salon de beauté de Dakar. Au Maroc, de violentes pluies ont provoqué ce lundi l'inondation d'un atelier clandestin de textile installé au sous-sol d'une maison privée à Tanger, faisant au moins une vingtaine de morts selon les autorités locales. Des médias ont fait état d'un problème d'électrocution. Fin de cette grande édition, dès la soirée, bien avant, prenons les rappels des titres. Passation des témoins, c'est mardi 9 février 2021 au Sénat entre les bureaux des missionnaires et les bureaux d'âge. Alexis Tambwe-Mwamba passe la main à Léon Mamboléo, le doyen d'âge de la Chambre haute, en attendant l'élection du bureau définitif de cette chambre parlementaire. Le processus de l'informatisation pour la maximisation des recettes dans la province de l'Ituri se déroule normalement. La réunion gouvernement provincial et la commission technique a observé des avancées significatives. Fin de cette grande édition de la soirée de ce mardi 9 février 2021. Merci d'avoir été de notre depuis bien sûr le district de la Tchangou dans la partie est de la ville province de Kinshasa. On se retrouve demain, même heure, fidèle au poste. Thank you.